Et bonsoir RP, j'ai pas vu. Jet de sauvegarde raté, religion. Religion ? Ouais, c'est un jet de sauvegarde par contre que j'ai raté, j'ai pas trop compris pourquoi. Sauvegarde, c'est que tu prends un truc, non ? Ouais, normalement. Mais j'ai pas. Faut qu'on ressort. Et toi, ça va, oh, ça va, ça va, ça va. Ça va. J'ai pas mis la cam, tiens. Hop. Et du coup, faut sortir d'ici, c'est ça ? J'essaie de regarder où c'est qu'on doit aller. On doit aller là-bas, ok. On peut retourner dans la... Oui, pour sortir du bosquet entièrement. Une cour, ça donne une chouette image, une petite... Ok, cool. Je vais directement parler à Zevlor. Attends, je vais parler avant à... C'est un commerçant, je regarde ce qu'il y a. Ah non, il parle de choses si vous voulez. Or je sais pas, moi je pensais avoir un, faire un commerçant en fait, à la base. Ok, donc il fait ses préparatifs pour le voyage. Où comptez-vous vous rendre ? Très bien, je vous écoute. Ok, c'est un ménestrel. Glory. You search your mind, successfully recalling various details of goblin behavior. Ouais, je vais lui faire une description fidèle. Goblins were of rare gem-colored hue and wielded magic blowguns. And the dragon they had marching in the rear, was it of the brass or silver variety? Il n'y avait pas de dragon, on est d'accord. Bon d'accord, je vais essayer de mentir pour voir, j'aime bien. Ah, il était d'airain, aucun doute là-dessus. Witness mistook obvious silver dragon for brass. Last question, then you'll be quite free. Did the attackers rally to the absolute when they fell upon the gates? Je ne crois pas, mais il faut dire que j'essaie surtout de ne pas me faire tuer. Really? Well, this does complicate things. But then again, well, never mind. I've interrogated one. A captive in this very camp. She reports they've abandoned their god Maglabiot in favor of someone called the Absolute. The scandal! Ouais, je ne prête aucune attention aux superstitions goblines. Ah, but is superstition all? These goblins are informed by a kind of strategy anathema to their kind. I, for one, intend to get to the bottom of it. I'm just preparing to head to their camp as we speak, in fact. If you'll excuse me, I ought not to dawdle. Effectivement, pourquoi vous avez fait mention du dragon lors de notre conversation ? Ouais, j'aime bien. Attendez, expliquez-moi pourquoi vous avez fait mention du dragon lors de notre conversation précédente. My friend, every story benefits from a dragon. Bien évidemment. Until d'accord, ok. C'est comme avoir un carquois dans le dos, c'est classe. Bon d'accord, donc c'était pas un icône de marchand ça au final ? Ah vous avez avancé si. Vous peut-être. Si, si. Mais j'ai ton stream sur l'autre écran. Je suis en discussion mais c'est même pas affiché. Je suis en discussion, c'est bizarre. D'accord, parce que moi je vais rentrer dans la discussion de la quête du coup. Attends, je te rejoins. T'es sûr ? Pourquoi tu es sûr ? Bah j'attends 5 minutes, c'est tout. À l'autre bout. Okay. Boop. Pourquoi ça fait boop? Ah oui t'as mis tout mis in the mode, ok.
J'ai oublié que ça faisait boop. De quoi? Non, 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 c'est quand tu mets mes émotes, ça fait un son. Ah, d'accord. Pourquoi vous voyez pas que je suis en discussion? Je sais pas, intéressant. Je sais pas, je demande, hein. Non, mais j'avais un choix à faire, donc il y a un marchand qui m'a fait un tour de passe-passe avec un anneau, donc soit je reproduis le tour de passe-passe avec une chance de réussir, soit je prends l'anneau. Bah, je fais comme tu veux, du coup. Attends, tu vas où, là? Hein, tu vas pas au bon endroit? Ah non, pas du tout. On vient en ville. Bon, sinon on lance et puis on verra. Mais c'était si, surtout si ça déclenche des combats, en fait... Non, non, je vais parler avec le chef du coin. Donc, s'il m'attaque... Si tu décides de l'attaquer à un moment, non, on est loin, mais je suis pas si bourrin que ça, je crois. Tu t'es regardé dans la glace récemment ou... Il y a rien d'agressif dans le regard du personnage. Then it's not just goblins we have to fear. So we can risk violence here, or face it for certain on the road. Quite the choice, isn't it? Donc là, c'est la quête s'occuper des réfugiés. Ouais. Bel contexte. Alors, soit on les motive à partir, soit on les motive à rester, quoi. En gros, c'est ça. Enfin, soit on les motive à partir. Et on les aide, soit... Voilà, oh ok. Et sinon... ok. Ok. Et Pop, il vote quoi? Il a voté pour... Vous retarder le rituel. Ah ok, je vois plus personne. Ok, ou peut-être vote que je vois. Bon, c'est bugué à mort. Pouvez-vous retarder le rituel? You saw what they were willing to do to a child just for trying. It's Corga's influence. Without her twisting things. I believe the druids might see sense. Ouais. Pourquoi bon, ok, un peu moins. Pourquoi ne vous dépassez-vous pas d'elle en a low thought. But I'd be lying if I said I hadn't considered it. But the druids would slaughter us. We'd have to get close to Corga, within striking distance. I can't manage that, but they've already let you pass once. Ils se sont tous réfugiés à un endroit que il ne veut pas d'eux, quoi. Non. Oh, je suis pas un assassin de la petite semaine. It doesn't sit well with me either, but to get these people to safety, there's nothing I won't do. You'd be well rewarded for the risk. Ah bah voilà, maintenant on peut parler. Sway you, there's nothing more to discuss. Perception. J'ai raté un jet de perception, je pense. Et du coup, la quête, elle m'emmène où maintenant? Quelqu'un veut que vous nous fassions partir les Tiflins. Elle craint en effet qu'ils soient trop nombreux. Ouais, c'était les Tiflins que je parlais là. Oui. Mais du coup, ça fait pas avancer la quête? Tu veux parler? Retournez, oui, je pense. Là, je lance. If Corga won't abandon her madness, then we'll have to try the road. Ah, il faut que je lui dise de partir, quoi, en gros. On les escorte ou on les a dit dégager sans les escorter, en gros, c'est ça. Hein. Bah, non, on peut pas, on peut plus combattre alors. On peut toujours combattre. Soit, c'est soit on leur dit ils dégagent, soit on les escorte, mais on peut plus les faire se rebeller. Ah, je crois que oui, on peut plus. Le moment. Escorter quoi. Surtout on les escorte jusqu'à la sortie. C'est un peu con, mais bon. Ouais. Le moment est venu. On m'a demandé de vous escorter hors d'ici. So, Corga's twisted your mind as well. Please, just listen. Sending us out there is a death sentence. But there is another way. Ah. If you want to turn your blade on anyone, turn it on the goblins. You won't be able to cut them all down. There's a horde of them out there. But they're ill-disciplined. It's unusual for them to organize so cleverly. Somebody must be leading them, bringing discipline to their ranks. Take out that leadership, and they'll scatter. Et ben voilà. It's no small thing to ask, but I've seen you fight. You're equal to the task.
Oh, ouais, c'est vrai que... Ouais. Ouais, ça dépend. Vous avez quoi me payer? I suppose so. We don't have much. But we'll scrape together whatever we can. Assurez-vous que ce soit suffisant. Of course. Everything we have. Anything we can give you, we will. We'll be ready to leave as soon as you give word. Allez. La direction chef Gobelin. Là maintenant. Ouais. Maintenant, faut te rejoindre peut-être. Non, je sors. Non, je suis dans une maison. Donc, là. Une maison. Une grotte. Je suis en train de sortir. Donc je clique comme ça. Alors, pour info, je vais vous parler de ce qui s'est passé de mon côté. Ah. Oui, vas-y. Donc j'étais en train de parler à une petite marchande qui m'a fait le coup de l'objet magique à vendre. Oui. C'est le fameux truc de l'arnaque là. Et en plus, je lui ai dit ce que c'était, mais j'ai oublié. Donc je lui ai dit tout de suite que j'ai compris et tout. Du coup, que j'allais pas me faire avoir et tout, que j'allais pas prendre son anneau, que j'en voulais pas. Et je regardais ce qu'elle vendait, elle vendait rien d'intéressant. Et en voulant partir, il y avait son acolyte qui essayait de me voler quelque chose. Ah, ok. Et il a réussi à te voler quelque chose? Non. Mais il était pas méchant parce que l'acolyte, il était forcé de le faire. Il était en train de pleurer et que c'était des larmes sincères. J'ai fait, bah allez. C'était des larmes sincères, ok. Ouais. Bon, il était bon comédien. Ouais, j'étais en persuasion, j'ai réussi à persuasion et j'ai dit que c'était des larmes sincères. Je suis bon. Ok. On est sorti de la ville en fait. Je suis en fait. Alors. Pour tourner ici. Non, on peut ouvrir des portes. Hein. Alors non, je me suis collé la porte. C'est eux dessus qui l'ont ouverte. C'est pas un clic. À moins que j'ai oublié de cliquer peut-être. Mais non. Et du coup, okay. On va où là? Parce que je suis mais. On va vaincre le chef des gobelins. C'est où ça? Ah, c'est loin. Loin. Marcher. Tout bien, il y a une autre quête là-bas. Ah oui. Survie ratée. Bien joué. Survie ratée. J'ai vu que t'as eu un jet de survie ratée. Je sais pas qui avait un jet de survie. Survie ratée. Gay. Mais je fais, ça fait quoi? Je comprends rien. Ça rien. Mais j'ai vu que t'as eu ça. Deux fois. Ah c'est vrai ouais, qu'il y a des mais plantes. Je sais pas ce que ça fait. Ça fait quoi survie ratée? C'est fait quoi survie? En fait, tu dois peut-être apprendre un truc qu'on aurait peut-être pu avoir un soin ou un remède en plus, une recette en plus qu'on n'a pas eu. Ah. Peut-être. Ah oui. Donc c'est pas grave, j'insiste. Patate. Qu'est-ce qu'il dit le monsieur? Les courgettes. Ils sont pris cher les aventuriers morts. Ah. Ah, c'est une sauvegarde. C'est ma save. Des voyageurs morts. Oui. Bah on se dirige vers les. Les voyageurs des aventures. Oui, il y a cette notion. Ok. De quoi? Des parchemins. Usage unique. Ouais, on a des sorts. De type parchemin. Je veux dire, c'est qu'on. On peut lancer un sort qui. Pas d'autre classe, j'imagine. Et. Fais un clic droit dessus. Ouais. Lancer sort. Est-ce qu'il y en a un de vous qui a des armes qui utilisent des armes de guerre? Attends, lancer sort, jeter objet, lancer. Non, j'ai pas eu le temps de tout lire. Oui, je suis revenu. Jeter. T'en as deux, tu peux m'en envoyer un? Je vais juste vérifier que mon perso n'a pas des trucs en plus. Toi, c'est Gale? Ouais. T'en as envoyé un? Ouais, c'est ça. C'est qui? Mon perso, lui, grâce au parchemin, il peut apprendre des sorts. Ah, donc c'est plus intéressant que ce soit toi qui le fasse. Ouais, c'est ça. Ah. Par contre, je voudrais échanger des pièces d'or. Et sont les pièces d'or? Où c'est sont les pièces d'or a priori? Non, mais je cherche les pièces. Ah, c'est là-haut. Ah oui, c'est à côté de verrouiller. Il y a quelqu'un qui s'amuse à me le voler. Le sort est déjà connu. Attends, je te le redonne. Par contre, le premier que tu m'as envoyé, je connaissais pas encore. Par contre, apprendre le sort me demande, en tout cas pour ce sort-là, 50 pièces d'or. Mais à moi, je l'aurais appris, et ça évitera de le prendre dans mes sorts quand je monte de niveau. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le sort que tu m'as envoyé, je l'ai déjà, sauf que, visiblement, ça n'utilise pas une action. Enfin, ça n'utilise qu'une action et pas un sort.
Donc, ouais. Un petit avantage. Ça peut être sympa, ouais. Bah, ouais. On fera comme ça. Je tirerai si ouais. tu trouves des parchemins ou de toute façon les autres si vous trouvez des parchemins. Là, j'ai check. De toute façon, normalement. Ouais, je peux regarder dans votre inventaire et je saurai tout de suite si je l'ai ou pas ça. Ah oui. Est-ce que quelqu'un a besoin, utilise des armes de guerre ou cimetière? Je pense pas. Nous c'est quoi, c'est table le truc? Oui, c'est table. Je la maîtrise pas, donc c'est pour ça. Attends, c'est... Je la maîtrise pas. Elle est comment ton arme? Je maîtrise pas. Elle est sur mon trim. Non, non, mais elle s'appelle comment? Elle s'appelle cimetière. Cimetière. Ou cimetière. J'ai une cimetière gobelin aussi. J'ai ma j'ai maîtrise. Ah non, je regardais Keto. Mais moi je peux pas l'utiliser, donc ça, c'est soit vous l'avez, vous pouvez l'utiliser. Ah, outil de voleur. Là c'est marqué dessus. Je ne maîtrise pas, d'accord. Ouais. Astarion, c'est ça, les voleurs. Ouais. Et outil de désamorçage de piège, moi je te le donne aussi. Oh, peut-être que je cumule. Ouais, voilà, je te range ton inventaire, je me permets. T'as une toxine. Tu vois que c'est voleur. Bah je sais qu'il l'est, c'est tout. Moi je lui ai donné les outils. J'ai chopé. Ouais, j'ai une toxine de poison, je sais pas trop où j'ai eu ça. Armure du légère. Coup, je donne aussi les outils de voleur. Bon, tiens, hop, bah oui, parce que c'est pour ouvrir les coffres. Je t'ai donné un... Ah bah... Non bah j'ai mis avec l'autre. Ah tu as... démon. Ah, je te l'avais dégroupé. Tu m'écris ça quand? Non. J'arrive à lire les messages. Ah je te l'ai redécroupé. C'est rare le jeu où tu peux gérer l'inventaire. J'aimerais bien que t'arrêtes de toucher mon inventaire par contre. Alors voilà, ça peut causer ce genre de soucis du coup. Du coup sinon la cimetière, ça intéresse quelqu'un ou pas? Non, 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 moi non. Non, on a que des mages et des dagues. Alors du coup... Tu penses que c'est bâton et dague, y'a pas plus on peut prendre. Bon. Ah, en fait moi, ouais, c'est principalement dague. Ah, vidéo. Ah. Et Astarion, c'est pareil. A strange symbol glows marked on their flesh, and something within you stares in response. Ah. Ouais. Je n'ai pas l'intention de m'enfuir, et vos archers ne sont pas doués pour vous sauver la... Hein? Et vos archers ne seront pas assez doués pour vous sauver la vie si vous m'énervez. 15. Ouh. Heureusement que t'as un plus 5, hein. Oh bon. Bon bah voilà. 21. Impeccable. Hold up, lads. This one might be more we bargained for. Go on then. Just keep your nose clean. Ok. Plus un niveau. Ça m'a fait level up. Ah bah vous aussi du coup. Alors comment on level up déjà? En dessous d'une image de son perso. Ah oui. En bas, on a la personne de level up. Et mon niveau? Et il est où mon niveau? Alors plus de PV. Tu l'as pas? Si vous l'avez. Mais non, il fait une référence au nain dans le journal Buck. Ouais. Il y a 100 mineurs, main de mage. Ah j'ai 200. Une main spectrale capable de manipuler les objets et d'interagir avec eux. Ah, je peux apprendre un sort de niveau 2. Donc tu dis j'utilise pas le feu. Hein. Non bah non je me focus dessus. Je vais prendre deux sorts. J'aurais dû regarder un tuto de sorts dans les meilleurs sorts. Non, faut faire à l'aveugle, c'est mieux. Alors oui j'ai des sorts d'aveuglement mais je sais pas si c'est utile. Ah, détection des invisibles, ça sera peut-être utile un jour, ça. Ah, je peux prendre un sort de sommeil. Ça peut être intéressant si on a beaucoup d'ennemis d'un coup. Ouais. Je
Ah, c'est très utilitaire, mais... Un sort pour ouvrir ce qui est bloqué par une serrure. C'est bien en fait. On a, il y a certains d'entre vous qui peuvent éclairer des zones ou pas? Moi oui. Ok, donc je prends pas encore le sort d'éclairage pour l'instant. On va partir là-dessus. Je vais prendre le poison en 1d12. Je vais prendre l'illusion mineure. Je peux créer un clone qui attire les ennemis à un endroit. Un sort magicien. Merde. Ne pas appuyer sur le chat pour refaire. Allez. Je peux prendre un appel de famille. J'ai pris quoi, j'ai pris ça. Ok. J'espère que tout le temps que vous avez pris, vous allez me le consacrer après aussi. Pour... Je passerai niveau 3. dans tous les jeux, c'est marrant. Hein. Allez. C'est chiant. En plus, il y a tellement de trucs. Oui, attends. Il te manque 4 points. T'es à 596. Ouais, mais ah, t'as pas monté, que le désavantage me fait aussi un malus, je sais pas. Je sais pas. L'esprit, ce qui inflige des désavantages sur les jeux de sauvegarde, donc je dirais que non. C'est assez précis dans sa description. Et donc, ah oui, donc j'ai 4 emplacements de sort 1 et 2 emplacements de sort 2. On peut pas agrandir la barre, je trouve que c'est trop petit comme la barre des sorts. J'ai des sorts niveau 1 maintenant. Putain, je sais pas si c'est des sorts que je peux vraiment faire, c'est bizarre. Ah, on peut agrandir la barre. Trouver le bouton, ça y est. Plus. Ah ouais, c'est bouton plus à côté de verrouiller. Effectivement. Ok, donc là j'ai tous les niveaux. J'ai couru ton sort. Ouais, je suis en train de lire. Bon, je suis en train de ranger mes sorts pour l'instant. Ah, le sort n'a pas été préparé. Ouais, du coup ça sert à rien. C'est vrai que c'était plus intéressant là, le passage de niveau cette fois-ci. Passage de niveau 2, j'avais pas grand chose à faire. Ah oui, ouais, c'est pour ça que t'avais passé si peu de temps. Bah ouais, parce que j'avais pas de choix moi en fait. Donc là, j'avais des choix à faire. Oh bah, je pense que c'est plus là-dedans. Ok. Au final, je suis un caster aussi quoi. Caster, c'est-à-dire... Ah non, pardon. Non, je suis plus un mêlée.
je fais des dégâts, oui, mais il faut que je m'approche. Non, je suis plus mêlé, mais j'ai quand même quelques sorts à distance, mais mes gros sorts, ils sont, hein, il faut que je sois à moins de 2 mètres de la cible. Ouais, je te concentre, si tu peux faire un focus sur... Ok. Sinon on va être en galère. Du coup, on est arrivé dans un village délabré, rempli de gobelins qui nous laissent gentiment passer parce que j'ai fait les yeux rouges. Parce que j'ai fait les yeux rouges. Ah, et on a un TP. J'ai l'impression, non. Oui, hey. Un TP. Ok, c'est bien. On a débloqué un TP du coup. Déjà testé, visiblement. Ah, c'est comment se faire TP, Jikouille? Tu refais en un seul morceau, ça va? C'est rapide. Nice. Antidote. Ah oui, il y a des trucs à prendre ici. Ah, c'est marrant, ça, c'est... je connais ce village. J'ai vu, c'est une des seules fois où j'ai vu Alpha jouer quelques minutes. Ah oui. Et lui, c'était pas passé comme toi. Ah oui, il a dû battre contre toutes les... Ils se sont battus, ouais. Alpha Cast, oui, c'est ça. Potion de guérison, antidote, tout ça, c'est... je prends. Petit voleur, marteau. Quelqu'un a débloqué une quête d'ailleurs. Quelqu'un trouve une cave. Non, une recette. Non, une cave, j'ai vu une quête apparaître, cave.